Salut les sucrés, c'est Naemas. J'espère que vous allez bien. Et pour la recette de cette semaine, je vous propose un tiramisu café. Pour la recette, comme vous pouvez le voir, elle est en verrine mais aussi en version à partager. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est parti! Pour notre dessert, on va le faire avec trois recettes, un sirop café, un biscuit cuillère et une mousse mascarpone. Pour la recette de notre sirop café, on va avoir besoin d'eau, de sucre semoule et de café moulu. Pour le sirop café, on va réaliser un sirop avec notre eau et le sucre. Une fois que ça va bouillir, on va l'arrêter et ajouter le café moulu. On le laissera infuser pendant une demi-heure, puis on le filtrera. Pour la recette, j'ai préféré utiliser du café moulu, mais vous pouvez très bien utiliser du café instantané, ça marche tout aussi bien. Pendant que notre sirop café infuse tranquillement, on va passer au biscuit cuillère. Pour la recette, on va avoir besoin de blanc d'œuf, de jaune, de sucre semoule et de farine. Pour réaliser le biscuit cuillère, rien de plus simple, on va monter les blancs et serrer avec le sucre semoule, puis rajouter délicatement les jaunes d'œufs et incorporer la farine tamisée. On va étaler notre biscuit sur une plaque avec feuille sulfu et cuire l'ensemble à 180 pendant une dizaine de minutes. Notre biscuit cuillère est maintenant cuit, on va réaliser la mousse mascarpone. Pour notre mousse, on va avoir besoin de mascarpone, de jaune d'œuf, de sucre, de gélatine réhydratée et de crème liquide. Pour réaliser la recette, rien de plus simple, on va monter la crème liquide et la réserver au frais. On va mélanger ensuite les jaunes avec le sucre et les faire monter. On va incorporer la mascarpone, puis ensuite notre gélatine réhydratée fondue. Une fois le tout mélangé, on va incorporer la crème liquide montée, puis passer au montage.
La recette est maintenant finie. Si vous aimez la vidéo, likez et abonnez-vous. Pour les questions, laissez-les dans les commentaires. À la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Thank you.